La tournée de William Once commence vers 10h ce matin. Direction le lotissement de Port-Ouingui. Déjà 3 semaines de bénévolat pour ce gérant d'un magasin de pêche qui livre désormais les courses à domicile, gratuitement. Il y en a qui ne peuvent pas du tout sortir chez eux, ils sont vraiment confinés, alors c'est pour ça. Comme ça, ben, ça les aide en fin de compte. Livreur assez frais, alors qu'il perd de l'argent chaque jour depuis la fermeture de son magasin. Une solidarité très appréciée par ceux qui vivent cloîtrés depuis le 23 mars. Ah ben, je suis très contente, hein, parce que je suis confinée complètement. Moi, je n'ai pas le droit de sortir, donc je suis très contente qu'il y a des commerçants de Boulou Paris qui nous rendent ce service, quoi. Et gratuitement, en plus. Bah oui, gratuitement, et ça, c'est bien. Tout le ravitaillement a été commandé dans ce magasin du nord de Boulou Paris. William Once vient y récupérer les courses des confinés 3 fois par semaine pour des tournées sur plusieurs secteurs de la commune. Celle qui reçoit les commandes par téléphone ou par internet, c'est elle, Christina Bierge. Avec son compagnon, gérant d'un commerce bien broussard, ils ont pris cette initiative généreuse de livraison des courses. Bah déjà, c'est à titre gratuit, donc c'est surtout pour aider les gens. Et vu que dans le magasin, on a moins de clients qui viennent, donc ça nous aide un peu à côté, mais à savoir quand même que le chiffre d'affaires, on a quand même perdu de 25 à 30%. Donc, c'est surtout un service qu'on rend, c'est tout. Au départ, une idée pour aider les plus âgés de la commune. Et en 3 semaines déjà, une 30aine de clients fidèles. Et tout cela avec le sourire. Les situations d'exception permettent aussi parfois de révéler des personnalités exceptionnelles.